Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la guidance intemporelle de ce jeudi 31 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, 31 octobre, eh bien, c'est Halloween. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une belle fête d'Halloween. Avant de commencer, eh bien, petite pensée positive, n'est-ce pas, de ce 31 octobre. Indulgence. Ah, c'est pas facile parce qu'on n'est pas souvent indulgent vis-à-vis de soi. Être aussi indulgent avec les autres qu'on l'est avec soi-même. Alors moi, il fut un temps où je n'étais pas indulgente avec moi. Donc, j'avais très difficile d'être indulgente avec les autres. Mais là, avec le travail que j'ai effectué sur moi-même, eh bien, ce n'est plus un problème. Donc, vous pouvez y arriver aussi, n'est-ce pas? Belle pensée positive. Et j'ai pigé la carte numéro 14. Tu ne peux pas porter le poids des autres. Ils t'entraveraient et t'empêcheraient d'avancer. Eh bien oui, chacun a sa vie, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être une éponge et prendre tous les soucis des personnes qui sont alentour de vous, tous les problèmes. Vous ne pouvez pas porter ça sur vos épaules. Chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, et puis vous, vous devez résoudre les vôtres, et eux, ils doivent résoudre les leurs. Le conseil de cette carte, côté finance, avant de pouvoir aider votre entourage, vous devez vous aider vous-même. Vous mettre dans la perte financière ne vous aidera en rien. Et ce n'est pas être égoïste, n'est-ce pas? C'est juste penser à vous et ce que vous vivez. Côté professionnel, eh bien, moi je dirais à chacun sa tâche. Ne laissez personne se cacher derrière vous pour vous faire porter la responsabilité de la sienne. Votre plus grande force, n'est-ce pas? Eh bien, ce sera l'humilité. Et pas que, la sincérité de chacune de vos paroles et de chacun de vos actes. Vous n'avez pas à prendre les erreurs des autres sur vous, n'est-ce pas? Côté sentimental, eh bien, il est inutile de vous battre contre des fantômes qui ne sont pas les vôtres. Ne cherchez pas à faire oublier le passé à l'être aimé. Cela ne vous appartient pas. Et vous ferez perdre votre équilibre. C'est à lui à faire ce travail sur vous, sur lui, pardon. Ce n'est pas à vous. Vous ne savez pas faire ce travail. Malheureusement, on ne peut pas l'aider. Vous pouvez être là, l'écouter. Ça, c'est vraiment une aide. Vous pouvez l'écouter, mais son passé lui appartient, il ne vous appartient pas. Et c'est à lui à résoudre les problèmes ou la problématique de son passé. Donc, voilà, aidez-le en l'écoutant. Bon conseil judicieux, n'est-ce pas? Et je termine avec le conseil spirituel. Ce n'est pas parce que d'autres n'ont pas su faire que cela veut dire que vous n'y arriverez pas, n'est-ce pas? C'est le moment de croire en vous. Vous avez peut-être une perte de confiance en vous. Et encore une fois, ce n'est pas parce que les autres ne sont pas arrivés que vous n'allez pas y arriver. Donc reprenez confiance en vous, vraiment. Et je termine avec Ho'oponopono, je m'aime
parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Oui, évidemment, nous sommes toutes et tous uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Donc, il est important d'en prendre conscience, de prendre conscience de notre valeur. C'est important. Et si vous vous aimez, vous allez prendre conscience de tout cela. Donc si vous ne vous aimez pas, là il y a un travail à faire pour que vous vous aimiez. Beau message, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Encore une fois, une belle fête d'Halloween à tout le monde. Et puis on se retrouve demain. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse. Et je vous dis à demain.